Bonjour, je vous ai fait le maquillage, je vous ai montré les produits que j'emporte pour la Beauty Tube, pour les Get Beauty. Et bien maintenant, je vais vous montrer les vêtements. Donc, le premier jour, j'ai beaucoup hésité le premier jour parce que c'est la Get Beauty. J'arrive directement sur la Get Beauty. Un taxi vient me chercher à la gare. C'est vrai que L'Oréal et YouTube font très bien les choses. Hein. On m'amène à l'hôtel qui est un hôtel magnifique. Et le groupe, c'est quoi l'hôtel, Michel? Mercure. Dans le quartier chic. Donc ensuite, après, bah voilà, je me rends à la Get Beauty. Donc à la Get Beauty, bah, j'avais envie de mettre cette tenue-là. Parce qu'au début, je disais ma robe bleu marine. Mais ma robe bleu marine, je ne suis pas à l'aise dedans parce que je ne l'ai pas mise encore. Et comme je vous disais pour le maquillage, moi, il me faut un certain temps pour m'adapter à mes... Je mets beaucoup plus les vêtements que j'achète une année, l'année suivante. Cette robe, je ne l'ai jamais mise l'année dernière. Mais jamais, jamais, jamais. J'ai mise une fois pour notre rencontre, meeting à Paris. Ben voilà, il me faut du temps pour m'adapter à quelque chose. J'ai toujours été comme ça. Donc là, effectivement, il y avait cet ensemble que je montrerai en photo. Le pantalon, les boots marrons. Ma petite tenue en daim, là, moi que j'aime beaucoup parce qu'elle dissimule les hanches, elle fait une jolie silhouette, elle est un peu sous le genou, donc elle allonge. Et ça fait jeune en plus. Ah, vous allez me dire, mais tu as 65 ans, c'est comme ça. Oui, mais peut-être aussi que je suis un petit peu stressée parce que je vais représenter une catégorie d'âge qui est quand même assez oubliée, hein, il faut quand même reconnaître. Et je vais être avec beaucoup de jeunes. Donc, bah oui, il y a quand même un petit peu, voilà, hein, c'est normal. Donc, je mettrai dessus une petite blouse. Là, je ne peux pas la déplier parce que elle est, vous m'avez souvent vu avec. De toute façon, vous allez voir la photo de la tenue. Je prends le train de bonne heure le matin, j'arrive, je prends le taxi, je vais arriver effectivement à mon hôtel, manger une barre de Gerlina ou un truc comme ça. Puis, je vais repartir directement. Voilà, je ne vais pas avoir envie de me changer, simplement de me rafraîchir. Donc voilà, je pense mettre cette tenue-là pour votre rencontre énorme avec plein de youtubeuses, etc. Je pense que ça sera une tenue idéale. Voilà, mais dites-moi aussi ce que vous en pensez. Mais ce sera difficile parce que vous ne serez pas du tout du même avis. Ah bah oui, bien sûr, il en faut pour tous les goûts. Avec mes petites bottines, moi que j'aime beaucoup, de chez Ram. Elle me plaît beaucoup. Alors, le truc en daim, c'est de chez Zara. Le pantalon, c'est un pantalon que je ne recommande pas. Parce que sincèrement, je ne le rachèterai pas. Et ma petite blouse, elle était de chez Carole. Mais Carole, il y a très très longtemps. Hein. Donc, voilà. Puis, le deuxième jour. Alors, le deuxième jour, c'est plus la Get Beauty. Le deuxième jour, c'est carrément la présentation. La présentation pour la Beauty Tube avec l'Académie Beauty Tube, L'Oréal et YouTube. Donc là, c'est ma présentation à moi. Vous verrez, hein. Donc, ça sera dans un très beau quartier, mais je vous laisse deviner parce qu'ils ont l'air d'avoir fait très très bien les choses. Donc, une coiffure toute simple. Je rebrochinerai un petit peu mes cheveux comme ça. Et puis voilà. Alors, je pense mettre cette tenue que mon mari m'a offerte pour mon anniversaire. Et que j'adore, c'est les petits hauts. C'est, allez, je vous la déplie parce que tout ça, il faudrait que je repasse tout. Je suis maniaque, moi. Donc, voilà, ce petit haut avec les boutons derrière, ma petite jupe, des petits hauts aussi, hein, qui arrivent. Voilà, c'est comme ça. Ça fait un joli ensemble beige, blanc cassé. Je mettrai avec mes bottines parce que je trouve que c'est très joli. Des bottines quand on a une jupe qui vous arrive là, c'est très joli. Et je mettrai ma petite veste avec de chez 1, 2, 3 qui est en daim. Ça fera une harmonie couleur, j'ai le sac de la même couleur, ça fera une jolie harmonie couleur, ça sera doux. Pour une présentation dans un très beau quartier, je trouve que c'est bien. Alors j'emmènerai pas de chapeau, pourquoi? Parce qu'il fera pas beau à Paris ce week-end. Donc voilà, s'il avait fait beau, oui j'aurais pris mon chapeau, j'aime bien. Mais sans chapeau, non, puis bon, moi, je ne veux pas me décoiffer non plus, parce que je n'aurai pas le temps de me refaire des brushings tous les jours. Hein. Donc, voilà, ça,
c'est donc pour la présentation. Et puis, pour le lendemain, c'est les cours à la Beauty Academy YouTube L'Oréal. Donc, pour les cours, qu'est-ce que je compte faire? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours avec une météo moche. Mais nous sommes en studio. Voilà. Donc, il faut que je sois à l'aise, il ne faut pas que j'ai trop chaud. Alors, soit je remettrai, et je pense que je le referai, ma tenue là, parce que j'aurai eu le temps de laver mon pantalon et ma petite tenue, si c'est pas nickel, il sera temps de sécher, je ferai le nettoyer à l'hôtel, je m'en vais faire, pour une fois. Mais sinon, je pensais remettre, alors, ma robe bleue, ah, je trouve qu'elle est hyper habillée quand même. Alors, peut-être le dernier jour. Peut-être le dernier jour, mais je crois qu'elle est quand même très très habillée pour les premières fois. Ou alors je le mets effectivement en décontracté, en décontracté, pas avec des bottines, avec des chaussures rouges. Ah mais ça veut dire qu'il faut que j'emmène en plus mes chaussures rouges. Ça fait beaucoup hein, dans une valise quand même tout ça, hein. Donc, je ne sais pas, je vais l'emmener, mais je ne sais pas du tout comment je vais la travailler. Ou alors, sinon, j'avais cette petite robe des petits hauts qui est superbe, que j'aurais pu mettre avec ce petit body de chez Sarah, noir en faux cuir. Et il est super joli parce qu'il est décolleté dans le dos avec une petite basque. Donc, voilà mes tenues. Alors, évidemment, j'emmène mes chaussures bleues de chez Minelli, vous connaissez. Et, il y a du bruit, excusez-moi. Et cette petite tenue, Gatrimont, que je mets la nuit pour me détendre le soir dans ma chambre d'hôtel. Et bien maintenant, vous savez tout, tout, tout de chez tout.